La tente de North Face Tadpole SL2. OK, ton truc, c'est du backpacking loin, loin dans le bois, léger, le plus léger possible. Ou encore, t'aimes ça aller dans la vallée des prophètes, dans le fin fond du parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Ou bedon, t'aimes ça toi faire du bikepacking, donc encore une fois t'aimes ça être léger, aller loin, aller longtemps. Tu veux pas traîner des affaires lourdes? La Tadpole SL2 pourrait être une bonne option pour toi. On a bien beau vouloir être ultra léger, un sac bivouac, ça peut faire l'affaire, mais quand il y a du moustique ou si les intempéries sont incertaines et que ça collabore pas, tu veux être protégé, mais tu ne veux pas nécessairement traîner une grosse tente, deux, trois places très lourdes, parce que tu n'as pas de place, c'est lourd, c'est tannant à traîner. C'est là que ce genre de tente-là devient extrêmement intéressante. C'est une tente single wall d'été. On connaît les tentes single wall d'hiver, on en a vu, mais ça, c'est une tente single wall d'été avec un poids plume de 990 grammes. Pensez-y, 990 grammes, c'est extrêmement léger. Pour atteindre cette légèreté, TNF a éliminé tout le superflu. Ils ont utilisé du polyester 20D et du nylon 15D. Ça, c'est très mince. Le montage se fait par deux pôles en fibre de carbone, dont une en plein centre de la tente sert essentiellement de colonne vertébrale à la tente. Ensuite, on met les quatre piquets de chaque coin pour mettre une bonne tension sur le plancher. Et finalement, on insère à l'intérieur de la tente une deuxième pôle en fibre de carbone. Elle est un peu tricky à insérer parce qu'il faut la tendre quand même pas mal avant de l'insérer à l'intérieur de la tente. Mais un coup qu'on l'a fait une couple de fois, ça devient beaucoup plus intuitif. Les cordes réparties tout le tour de la tente font une très bonne job pour garder la tente bien tendue, éviter qu'elle flappe au vent, garder un espace de vie intérieure assez grand. Et aussi pour tendre le plancher pour qu'on puisse insérer nos matelas de sol assez aisément. Il y a un seul vestibule parce qu'il y a juste une ouverture pour rentrer dans la tente. Le vestibule est à l'avant. C'est assez grand pour y mettre deux petits sacs à dos et vos chaussures ou un très gros sac à dos. Encore une fois, c'est frugal comme espace parce qu'on veut sauver du poids le plus possible. Utiliser la Tadpole, c'est faire le compromis entre beaucoup d'espace de vie et beaucoup de confort pour de la légèreté. Par exemple, le plancher est fait taper, en bon français, ce qui fait en sorte que nos pieds à l'extrémité peuvent être quand même assez rapprochés lors du dodo. Donc, si vous couchez avec quelqu'un qui donne des coups de pied, ça peut être un peu fatigant. Mais l'entrée procure quand même un bel espace assez grand. On a de la place pour la tête. Je suis vraiment loin de... Vous voyez, j'ai un bon pied et demi au-dessus de ma tête. Donc, les grandes personnes vont être capables de s'asseoir à l'intérieur de la tente sans avoir la tête à côté dans le plafond. Fait qu'il y a quand même un bon espace de vie pour une tente si petite. Comme la tente est single wall, la ventilation peut être un peu problématique. On s'entend qu'il peut quand même se faire de la condensation dans une single wall. Ce qui se déposerait normalement sur votre double toit extérieur peut se déposer directement sur votre toile de tente. Je vous suggère fortement, si c'est disponible, si vous pensez acheter cette tente-là, de prendre le footprint pour minimiser l'usure du plancher. Surtout si vous allez dans les endroits accidentés où il y a quand même pas mal de roches, vous allez maximiser la durée de vie de votre tente avec le footprint, j'en suis convaincu. C'est un petit peu plus de poids, ça va être une centaine de grammes supplémentaires peut-être, mais ça vaut vraiment la peine si vous voulez garder votre tente très longtemps. Bref, c'est pas une tente de camping de char. C'est un design astucieux fait avec des matériaux ultra légers qui font de la Tadpole une tente trois saisons pour des usages spécifiques où la légèreté prime sur l'espace de vie.